Bon, un alors, gros sujet. ensuite, Un gros sujet, les étapes. Les étapes où on s'arrête pour la nuit. Comment faire pour trouver un endroit adéquat Alors pour dormir? C'est important ça, hein? là c'est hyper varié. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ce n'est pas possible de donner un prix mensuel, de Non. vous proposer. Vous pouvez être à zéro comme vous pouvez être à 600 ou 700, même Ouais, plus même plus, par mois. Après oui. tout, Oui. ça dépend de vous, hein. Ça Donc nous, on dépend va de essayer vous. de vous donner une idée. Oui. Et une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a Non. pas de douane ni rien. Non. Donc vous pouvez passer à des prix incroyablement bas De comme à des zéro prix. à... Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc il y a tout et n'importe quoi. Oui. Et pas uniquement en France, hein. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Allemagne. Donc vous passez de zéro à je ne sais pas combien d'euros. Par exemple, je payais 17 euros dans un camping à Paris, un camping, hein, qui normalement est beaucoup plus cher. C'était le tarif camping-car. Dans les 17 euros, j'avais tout compris. J'avais les 24 heures de stationnement, j'avais l'eau, l'évacuation, la borne de service, tout compris. Et quelques temps avant, je payais 49 euros dans un camping en Suisse, à côté de Oui, Genève. voilà. Donc Non, voilà. on peut pas. On ne peut rien dire. Voilà. On Donc, peut nous, rien dire. on va vous donner des idées Oui. d'étapes. Oui. Après, à vous de faire votre budget mensuel. Selon votre Combien envie, selon vous votre budget, voulez, vous voilà. pouvez Ouais. mettre par mois. Ouais. Là, il n'y a pas de chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Voilà. Donc, on commence par quoi, très cher ami? On commence, j'ai envie de commencer par Park for Night, parce que, en fait, Park for On en Night, parle tellement, on en parle tellement. Park4Night. Je trouve que c'est une application, attention, moi je trouve que c'est une application géniale. C'est un jeune français qui l'a inventé, qui a mis en place, qui gère le serveur et tout ça, qui fait un peu modérateur aussi, mais tous les emplacements dans Park4Night sont mis par les camping-caristes eux-mêmes. Ouais. Et dans Park4Night, vous avez tout. Vous avez les campings, vous avez les aires de Camping. camping-car gratuites, payantes. Moitié gratuit, moitié Oui, payant. aussi. Vous avez Les bornes. les bornes où il y a uniquement des bornes de service. Vous avez du parking classique. Vous savez, le panneau bleu avec le P blanc au milieu. Oui. Payant et Oui. gratuit. Les aires de repos. Vous avez des aires de De repos. pique-nique. Vous avez des aires de Oui, pique-nique. Vous aussi. avez même, quand c'est un petit tracteur, des fois, il y a un pictogramme d'un petit tracteur. Ça veut dire que c'est dans une ferme. Ah là, ça c'est Voilà, bien ça. voilà. Il y a les Vous campings, avez, hein. il y a des campings aussi, oui. Il y a les campings en particulier à particulier aussi, j'ai vu. Des, oui Il y aussi, mais avait voilà des voilà, petites choses où vous allez chez c'est, l'habitant. C'est pas mal. voilà. Il y a aussi, et ça, je trouvais ça très sympathique. Quand vous avez un parking ou un endroit en hauteur où c'est difficile à grimper, c'est le pictogramme d'un 4x4. Ah Donc oui, là, vous, d'accord. vous savez que l'accès est difficile. Donc voilà, ce sont les camping-caristes qui mettent en ligne leurs endroits exactement avec les coordonnées, avec une description plus ou moins détaillée, ça dépend des personnes. Ça marche dans toutes les langues. Vraiment, c'est vous avez installé votre application sur tablette ou sur le téléphone. Et ensuite, c'est vous choisissez la langue. Et dorénavant, ça s'affiche dans Ouais. cette langue. Vous avez aussi une fonction de traduction, parce que les commentaires, souvent, c'est dans plusieurs langues. Vous avez une fonction de traduction qui vous traduit les commentaires pour le voir dans Ça, votre c'est pas langue. mal. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc là, c'est facile de faire votre budget. Voilà. Et je vous conseille fortement, moi je fais toujours les apartés, de lire beaucoup de commentaires Oui, parce que d'une personne à l'autre, ça change. Ouais. excusez-moi, mais il y en a qui mettent des commentaires tellement farfelus, Oui, tellement oui, subjectifs, oui, oui. que c'est un petit peu désagréable. C'est Oui. bon. Et attention, une personne peut avoir mis un commentaire, par exemple, en 2013, nous sommes en 2018, le parking, Ça peut être camping, peu changé, importe, ça peut a être changé. évolué, a peut-être été modifié. Oui, Donc regardez les commentaires oui, oui. récents, concrets, pour savoir à quoi vous attendre en Voilà. arrivant là-bas. Voilà, Ça, regardez, bien, oui. bien pour budgéter Voilà. son mois.
regarder la date des Oui. commentaires, parce que j'ai déjà vu sur un seul et même endroit. Il y en a un qui a mis: ah, mais c'est bondé, il n'y a pas de Voilà. place, on est comme des sardines. Mais oui, c'était mi-août. Voilà. Voilà. Et un autre qui a dit: mais c'est génial, il y a l'espace, il y a la place. Oui, mais ça, c'était en novembre. Donc, vous voyez, Voilà. c'est faut vraiment regarder les commentaires. Oui. Faut faire attention parce que là aussi on avait Oui. été à Grisolles et ils disaient que c'était bruyant parce qu'il y avait une usine. Nous on s'en fichait, c'était le week-end. C'était le week-end. Donc l'usine était fermée, on était Voilà. tranquille. Donc réfléchissez vraiment pour vous, Oui. prenez du recul par rapport aux Oui, oui, commentaires, oui, oui. mais de façon générale, ils sont très bien. Ils sont très bien. En règle générale, ils Voilà. sont Mais bien. ça pour votre Voilà. budget, Ouais. Moi, moi c'est mon préféré. ça fait depuis juillet l'année dernière, je voyage Ouais. pratiquement qu'avec avec Parkvonai. Et comme moi, je fais pratiquement que du sauvage, je sais toujours où me garer. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, nous avons France Passion. Alors, France Passion. Nous sommes mitigées toutes les deux. On en Voilà. entend beaucoup, beaucoup parler. Voilà. C'est à la ferme, c'est les agriculteurs, c'est les machins. Oui. 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 Nous aimons la campagne, nous aimons les produits fermiers, nous aimons les agriculteurs, nous aimons tout. Seulement, nous, Seulement. notre bémol. Voilà. Bon, effectivement, il faut savoir que les gens qui proposent s'installer chez eux, la plupart du temps, 95%, ce sont vraiment des gens passionnés Oui. de leur métier, de leur ferme, je sais pas, peu importe ce qu'ils font. Donc, ils veulent transmettre leur, voilà. Ils veulent Mais, vendre. voilà. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils attendent de moi que je dois acheter ci et acheter ça et acheter un bricole et encore une bricole et encore ci et encore ça. Et quand je regarde à la fin du compte, souvent c'est plus cher qu'un Là, camping je suis ou désolée, Chrissa, mais voilà. je vais être encore plus critique que Ouais, Chrissa. je suis Tant gentille. pis, je vais me mettre tout le monde à dos, mais moi, j'ai mon franc-parler. Ouais. Premièrement, oui, ce sont des passionnés de leur métier, Oui, agriculteurs, fermiers, peu importe, éleveurs. Oui, ils nous accueillent gratuitement. Bien. Ensuite, bien évidemment, ça leur fait plaisir, c'est normal qu'il y ait une contrepartie, qu'on évidemment. achète le fromage, le saucisson, le machin. Les coûts, c'est-à-dire que vous vous en sortez à peu près minimum, minimum pour 20 euros. Oui, en Là, ils gros, c'est sont ça. contents. Ouais. Seulement, la plupart des fermiers qui vous accueillent, beaucoup n'ont rien pour le Oui, service pas de vraiment que j'appelle grand-chose. Ouais. d'ablution du camping-car, Oui. c'est-à-dire les eaux usées, remplissage de votre citerne d'eau pour le petit, les toilettes, boîte à caca, il n'y a rien. Rien. Donc ça veut dire que vous y allez, mais peut-être qu'il va falloir que vous ajoutiez des frais pour aller à une borne X ou Y. Oui. En tout cas, il faut trouver de toute façon, ou gratuit ou payant, une borne. Oui. À la Souvent, ferme France la plupart. Passion, ce n'est que le plaisir d'acheter, pour moi, des produits de la ferme. Oui, C'est pour ça que je d'accord. reste très mitigée. Voilà. Voilà. Pour ma part, bon, le QG est en pleine campagne, donc je sais ce que c'est que d'acheter à la ferme. Je suis désolée, mais là, j'ai pas envie d'être attendue avec le tiroir caisse grand ouvert. J'arrive avec un camping-car, je suis frappée d'un billet de 100 euros pour Ouais, dépenser. Pardon, non, non, je mais suis c'est ça, dure. hein, c'est ça. C'est ça. Mais ça, voilà. Et si vous voulez, s'il y avait une borne, s'il y avait accès, mais beaucoup, beaucoup n'ont Ouais, n'ont pas pas. La même de plupart service comme n'ont ça. pas. La plupart n'ont pas. Donc, oui, c'est Ouais. beau, oui, ces Ouais. Ouais. agriculteurs, oui, je vais me mettre tous les écolos, les bio à dos, et Ouais. ben tant pis, Ouais. je dis ce que je pense. Et Voilà. il existe un équivalent en Allemagne qui s'appelle Landvergnügen. Et j'ai l'impression que c'est encore pire. Ah oui. Parce que ce que j'ai vu qui était un peu sur mon chemin, sur ma route, donc j'ai acheté aussi le guide France Passion pour 2017 et Landvergnügen pour 2017, c'est 25 euros pour Landvergnügen et 35 ou 37 euros pour France Passion pour 12 mois. Parce que tout ce que j'ai trouvé, c'était beaucoup de restaurants, des boulangeries, des boucheries, charcuteries, des châteaux de vin. Donc, forcément, on est accueillis chez eux, mais sur leur parking, Voilà, bah oui. avec rien.
Il y a quelques fermes, mais systématiquement, dans la description, c'est toujours marqué, il y a la boutique de la ferme, en oui, ouvre voilà, pour vous, voilà. Spécialement, voilà. Donc, c'est vraiment, allez, tu peux te garer, mais il faut que tu passes à la caisse voilà. aussi. Hein. Et là, j'aime pas. Moi, je suis désolée, je ressens exactement la même chose en France, ouais, voilà. Ouais. Donc après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, pour ma part, libre, voilà. comme on te l'a dit précédemment, nous avons fait le choix de passer dans des petites routes. Oui. Moi, ce que je fais, par exemple, l'autre fois, on a traversé les monts d'Auvergne, etc. Eh ben oui, j'ai repéré un petit village. Il y avait une petite boucherie. Je me suis arrêtée. Je me suis dit, je ne veux pas passer dans cette région sans m'acheter mon petit bout de viande. Eh ben, je me suis arrêtée à la boucherie. Ouais. Une autre fois, fromagerie. Oh, tiens. Les vaches. Les fameuses meubeux. Les fameuses. Eh ben, je me suis arrêtée à acheter du fromage. Je n'ai pas besoin de passer par France Passion pour repérer les artisans, les boutiques, etc. Oui. Après, bon, chacun son avis. Voilà, je respecte tous les avis. Mais bon. Certainement, il y a beaucoup parmi vous qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est notre opinion. Et là, on est d'accord toutes les deux. Oui. C'est notre opinion. On vous dit de notre opinion. Et puis maintenant, vous êtes d'accord. Voilà. Si vous êtes d'accord, ok. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut c'est pas l'inclure grave du tout. Dans voilà. votre budget. Oui, c'est attention. Voilà. Voilà. Nous, on vous en parle parce que si vous faites beaucoup, beaucoup de France Passion, prévoyez les frais, voilà, les achats voilà. que vous faites pour compenser votre nuit passée dans une ferme X ou Y. Ne le mettez pas dans le budget alimentation parce que de toute façon, ça, c'est toujours plus cher que ce que vous auriez acheté dans un magasin X ou Y. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle. France Passion, oui, mais budgété mensuellement. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons des aires de camping-car. Et des aires des camping-cars, c'est toujours, il y a plusieurs, c'est toujours pareil, c'est difficile à budgéter parce que c'est libre chacun. Alors, on a des aires de camping-cars municipales. Oui. Municipaux. Municipaux, c'est municipaux, pas grave. On voilà. te lui pardonne. Hein. Voilà, il y a aussi des aires de camping-cars privées. Oui. Il y a plusieurs devant sociétés. Les campings, des fois, il y en a. Souvent à l'extérieur oui. du camping, on a vu ça, juste à côté, mais c'était un camping municipal et oui. l'autre côté de la, de la route, il avait l'air camping-car municipal. Là, les prix sont très variés. Oui. Hein? Par exemple, je vous cite l'exemple de Camping-Car Park et j'ai fait une parenthèse. Sur le sujet des camping-car parcs, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre. Moi, je suis complètement neutre, je n'ai aucun avis là-dessus. J'y vais quand j'ai besoin, parce que je trouve ça pratique de payer une penchale, un forfait pour 12 heures, pardon, pour 24 heures, où j'ai tout compris. Oui, voilà. D'accord. Hein? Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne veux pas me prononcer là-dessus, je ferme la parenthèse. C'est une société privée. Ensuite, il y a des aires de camping-car, souvent par la municipalité, qui sont gratuites. Voilà. Mais vous payez, par exemple, l'électricité. Oui. Vous payez les bornes. Ah, ça, c'est pareil, l'électricité. C'est hyper, hyper varié. Oui, c'est voilà, vous pouvez passer de 2 euros à 6, 10. Voilà, voilà. Vraiment, il faut vraiment que vous agissiez. Oui. J'insiste là-dessus, mais il faut que vous agissiez avec, en prenant le temps de préparation du avant. Il faut préparer avant. Si vous êtes dit, c'est un temps par mois pour mes étapes, ne dépassez pas, ne vous mettez pas mal financièrement. Oui. Donc, budgéter avant, voilà, comme tu as dit, voilà, peut-être que c'est pour 24 heures, peut-être que c'est gratuit, peut-être que budgéter vraiment... avant, et avant de prendre le volant, voilà. Encore une fois, regardez, voilà, prévoyez. Il faut bien préparer. De toute façon, vous préparez bien votre itinéraire. Je suppose que vous préparez votre étape. Aujourd'hui, on fait 2 heures de route, on s'arrête à tel endroit. Donc, regardez à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il a comme possibilité. Maintenant, est-ce que vous voulez faire du sauvage? Est-ce que vous voulez aller dans un camping? Est-ce que vous voulez aller dans un air camping-car? Voilà. Ça dépend ce que vous souhaitez. Préparez bien votre itinéraire en total ou partiellement, et calculer les frais là-dedans.
Voilà, Et tout puis en plus, simplement. c'est en fonction aussi du nombre de personnes dans le camping-car. Parce que, bon, Christa est seule, moi je suis seule. C'est sûr qu'on n'a pas besoin toutes les nuits d'avoir un réapprovisionnement Non, en eau voilà, ou voilà, vidanger ou refaire voilà, les toilettes. C'est voilà. pas toutes les nuits. Non, non. Donc, nous, c'est peut-être 3-4 nuits ou 2. Enfin Trois, bon, quatre jours, voilà, on a, ça voilà. dépend des Oui, fois. oui, Donc, ça aussi, voyez combien nous oui. sommes dans le camping-car. Peut-être qu'il y a 4 personnes, vous avez besoin tous les jours. Ben oui, Si vous forcément. êtes seul, là, ça va, c'est Beaucoup un peu moins, plus tranquille. oui. Voilà, à vous de faire votre budget encore une De faire fois. votre budget Vous voyez, par rapport à ça. c'est varié. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé des campings? On n'a pas parlé des campings. Bah, les Non, on a campings, parlé, un petit ouais, peu, parce que un c'est petit peu. tellement varié aussi. Là aussi, c'est très varié. Là, c'est libre à vous Ouais, de ouais. voir si vous avez envie d'aller en camping ou pas. Hein. Là, c'est chacun son avis. Vous Voilà. aimez, vous y allez. Vous n'aimez pas, vous n'y allez pas. Mais en tout cas, budgétez. Moi, je reviens toujours à Après, l'argent, voilà. puisqu'on est quand même dans le sujet de Voilà. l'argent. Après, c'est aussi une question de sécurité. Il y a des gens qui font jamais du sauvage parce qu'ils ne se sentent pas en Oui, c'est vrai. sécurité. Il C'est y a vrai. ça aussi. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai déjà dormi dans des endroits où j'étais vraiment toute seule. Il n'y avait personne à 2, 3, 4 km autour de moi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Et comme nous, avec nos camping-cars, nous avons une autonomie de 3-4 Ouais. jours. Donc, pendant 3-4 jours, mais je peux aller, je peux m'arrêter à n'importe quel endroit, tout en respectant quand même des interdictions. Est-ce que c'est Ah oui, autorisé? ça Est-ce que oui, c'est hein. Non, ça. privé? Oui, non, oui, non. Non, ça, on Est-ce que, respecte, attention, est-ce hein. qu'on est en pleine saison? Oui. Hein? Des fois, en pleine saison, les parkings, ben, on trouve moins facile parce que ben, les parkings sont pleins. Hors saison, c'est beaucoup plus facile. Des fois, on est ben, tout Mais pour l'instant, seul. ça va, on Voilà n'a quoi. pas eu de. Pour le moment, ça va. À Oui, non, mais Gap, on a eu un peu de monde. on est que mi-juin aussi. Oui. À À Gap, Gap, on il y a eu avait un du peu de monde. Mais monde. c'était gratuit, c'est très Ouais, bien. Bon, c'est un parking mis à oui. disposition. Oui. Là, par exemple, tout était gratuit. Oui, et Les c'était très bornes et bien tout et tout. Comme fait. à C'était. la mure, pareil, Oui. tout était gratuit. C'était la municipalité. Oui. Voilà. En Allemagne, j'étais sur un aire de camping-car où le stationnement était gratuit. Voilà. Ensuite, on payait 1 euro pour la borne de service et on payait l'électricité, mais ça, c'était selon la Oui. consommation. Donc, c'est vraiment très, très, très varié. Voilà. Et après, vous avez Ah aussi ouais, plusieurs guides. le guide Le Michelin. fameux guide Michelin, mais Pardon, Michelin, j'adore ce qu'ils font hein, depuis toujours. C'est Michelin, c'est classique, je ne sais pas si c'est peut-être même le plus ancien, Peut-être, je sais pas. au moins sur les guides par la route. Parce que le guide de voyage, il y en a un qui est un peu plus ancien, mais les guides pour la route, les cartes routières et tout ça, c'est Bon, moi Michelin, j'ai les voilà. deux pour la France, hein, pour Allemagne, Autriche. J'aime bien le feuilleter, etc. J'aime bien aussi parce qu'on voit la géographie, on voit les choses éventuellement à visiter. Ils mettent le doigt là-dessus. Donc il y a le livre plus le site. Bon, c'est vraiment fabuleux. Vraiment, ouais. Mais Tu l'as pas à portée de main, là, pour non, le il est là, montrer? il est à Ah, côté mais là-bas. trop. Mais je vous montre l'image. Ouais. Mais en tout cas, en conclusion de tout ça, moi ce que j'aimerais dire, c'est que bon, bien sûr, je ne voyage pas depuis des siècles, mais si je devais faire mon budget mensuel, j'ai dû dépenser, bah si, je peux dire, j'ai dépensé 2 euros. Ah oui, tant que ça. Waouh. Sur 6 semaines. Ouais, sur 6 semaines, j'ai dépensé 2 euros. Ouais. C'était une borne à disposition qui était devant un camping. Donc j'avais 2 euros à disposition pendant 20 minutes pour mes toilettes, réapprovisionnement et eau usée. Ouais. Une station bleue, j'en ai vu de plus en plus. J'aime bien parce qu'on dirait une station d'essence avec une espèce Ah de oui, mais pompe ça, ce sont des et c'est de l'eau. bornes flot bleu. Et j'aime beaucoup. Voilà, C'est très propre, très oui. facile d'accès. J'ai payé Oui, 2 euros. c'est Je n'ai ça. pas regretté. Vraiment C'est vrai, impeccable. ouais. Donc, si vous voulez, voilà. Si vous Ça, voulez faire, par c'est. exemple, comme. Bon, moi, je parle de moi parce que Christa a beaucoup plus de recul, etc. Moi, voilà. Sur 6 semaines, j'ai dépensé 2 Oui, euros. oui. Donc, Voilà. ces bornes que tu parles, tu fais bien en Oui, parler. elles sont bien. Ce sont des bornes flot bleu. Ça Oui. s'appelle flot Ouais. bleu.
qu'ils ont souvent installées dans les parkings des supermarchés, des grandes surfaces. Moi, j'en ai vu déjà plusieurs, je me suis servi déjà plusieurs. Il y en a des plus anciennes où il faut aller chercher un jeton à la caisse. Attention aux ouvertures du magasin. Et il y a des nouvelles maintenant, on peut payer avec la carte bleue. Et là, effectivement, vous avez pour 2 euros, vous avez 20 minutes d'utilisation. Et en 20 minutes, c'est largement tout fait. Alors, voilà. Moi, il a fallu que j'aille à l'accueil du camping. Oui. Donc, j'ai donné mes 2 euros. Ouais. Et pendant que je m'occupais des ablutions de coquelicots, j'ai le propriétaire du camping qui est venu voir si ça se passait bien. Et il m'a apporté un petit plateau avec un café. Oh, ça, c'est super. Donc... Et voilà. Je n'ai pas... T'as pas à te plaindre. Non. Ah, c'est génial, ça. Donc, vous voyez... Ça, c'est sympa. Vraiment, vous pouvez passer... Non, mais je dis 2 euros, mais c'est vrai qu'on peut passer de 0 euros à une fortune. Oui. Voilà. Le mot final, les étapes... Vraiment, c'est très individuel. Oui, voilà. C'est très individuel. Mais attention, si vous prévoyez de vous arrêter que sur les campings ou que sur les aires de camping-car... Prévoyez ça quand même dans votre budget de déplacement parce que ça peut faire gros. Camping, France Passion, etc. Prévoyez un bon budget. Bon budget. Je pense que là, on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, on continue par une autre vidéo sur l'intérieur du coquelicot quand même. Du coquelicot, pardon. J'ai tellement l'habitude. Non, mais il n'y a pas que coquelicot. Il y a aussi Foxy. L'intérieur de tous les camping-cars. À tout de suite. Ciao, ciao.